Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de matériel. Je vais vous présenter mon setup hamac tarp pour moins d'un kilo. C'est parti. Avant de commencer, j'aimerais remercier Amazonas, mon partenaire, qui a gentiment accepté de m'envoyer du matériel pour que je puisse le tester sur le terrain et vous faire un retour objectif. Je vais donc vous présenter un setup de couchage spécial hiver à moins d'un kilo. Ce setup est donc composé de trois produits. Le tarp, Adventure Tarp de chez Amazonas. Le hamac avec moustiquaire, l'Adventure Mosquito Hammock Thermo. Ainsi que le cordage pour attacher le hamac, donc c'est les aventures rope. On arrive à 940 grammes dans son sac, c'est vraiment super light. Donc pour que votre setup puisse passer en mode 4 saisons, je vous conseille donc de rajouter l'underkilt proposé par la marque. C'est une couche supplémentaire qu'on rajoute sous le hamac en fait. Ça va vous protéger de l'humidité, du vent et du froid tout simplement. Température, confort, vous pouvez descendre entre 0 et moins 5 si vous avez un bon duvet. Voilà, on passe tout de suite à l'installation pour que vous voyez un petit peu le matos de plus près. Voilà, le montage est fini, donc ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. L'installation est assez simple à comprendre, le matériel pareil, facile d'utilisation. Je suis resté très conquis par l'attache donc du tarp au sol avec les sardines. Facilité d'exécution en fait, c'est vraiment pas mal, c'est très bien réfléchi. Pour le cordage en fait, pour le hamac, c'est un système spécial, je crois que c'est une sorte de nœud marin. En fait, c'est dans la cordelette, vous avez donc une corde qui coulisse en fait. C'est ce qui vous permet donc de faire baisser ou remonter le hamac. Pas facile à comprendre au début, mais après c'est un plaisir. Pour l'accroche donc de la moustiquaire, c'est un peu le système en fait. C'est avec des sortes de petits de petites barres en alu, je pense que c'est, qui permet donc de vous écarter la moustiquaire pour pas que vous l'ayez donc en fait sur le visage, que ça soit très restreint donc dans le hamac. Pareil pour le serrage, c'est un système assez spécial. En fait, vous venez décrocher un mousqueton, vous le clipsez, vous faites une boucle, vous le clipsez donc à l'œillet. Et ensuite, vous avez une sorte de cran en fait dentelé. En fait, qui vous permet donc de caler la corde une fois que le tarp est bien tendu en fait. C'est super bien réfléchi. Pareil en dessous,
Vous avez donc les petites poches pour mettre les cordes. Ça, j'avais pas aussi dans mon ancien hamac et tarp aussi. C'est vraiment, vraiment, tout est conçu pour que tout soit compact et bien, bien fonctionnel quand il y en a besoin. C'est nickel. À voir avec le temps si ça ne casse pas, parce qu'il y a certaines pièces qui sont en plastique. Donc à voir avec entre le chaud, froid, l'hiver, l'été. À noter aussi, gros avantage pour ce hamac, il y a un cloisonnement. Donc en fait, au niveau du dos, il y a deux épaisseurs de tissu. Ça fait une sorte de renfoncement. Vous pouvez mettre un matelas, ce qui évite donc de mettre le matelas dans le hamac. Comme tout le monde sait, quand vous mettez votre matelas dans le hamac, il a tendance à sortir du hamac. Vous glissez, vous retrouvez à moitié sur la toile. Voilà, c'est une galère. J'ai pu tester donc avec le matelas dans le cloisonnement conçu pour, c'est extraordinaire. Ça vous donne donc une sensation donc de lit. En fait, le matelas prend vraiment la forme du hamac, il élargit, du coup vous dormez quasiment comme dans un lit. C'est exceptionnel. Et le kilt, pareil, voilà, il épouse vraiment bien la forme du hamac, et ensuite vous pouvez le refermer par dessus avec pareil des accroches là, un petit mousqueton super light là. Je pense que c'est si vous voulez en faire une fêtière. Hop, vous venez le serrer à l'arbre. Enfin voilà, il y a plein de petits détails qui sont vraiment pas mal. Je vais vous montrer donc l'ouverture. Vous avez une sorte de petite fermeture cousue entre le hamac et la moustiquaire. Et pour rentrer à l'intérieur, en fait, rien de très compliqué, hein, voilà. Vous êtes dedans. Donc comme vous pouvez voir, là je tends les mains. Je ne touche pas du tout, il n'y a rien qui me gêne. Hop, on va rentrer à l'intérieur. Et voilà en fait la sensation qu'on a. Vous avez deux poches ici pour mettre par exemple le téléphone et une frontale par exemple. Et le kilt. Après il ne reste plus qu'à le régler. Donc comme vous pouvez voir aussi, une fois que je suis à l'intérieur, le tarp est vraiment bien au-dessus. En fait, la forme est parfaite pour ce type d'installation. C'est pas une tarp qui a une forme donc, de rectangle, ni spécialement de diamant. Si on est sur du tissu ripstop 20 deniers, 2000 mm d'imperméabilité, c'est vraiment largement suffisant. Pour l'instant, je suis très satisfait de ces produits-là. Vous pouvez donc dormir en hiver grâce à ce setup-là pour moins d'un kilo, sans compter le kilt bien sûr. Sinon, avec le kilt, vous êtes sur 1,7 kg et quelques. Donc voilà, je trouve vraiment pas ça super lourd et de bonne qualité. Le site Amazonas apparaît donc dans la barre de description si vous voulez aller faire un tour, voir un peu ce qu'il propose comme produit. Il y a bien sûr d'autres gammes de tarp, hamac, etc. Encore une fois, merci beaucoup à eux. Ça a été vraiment sympa de leur part de m'envoyer du matériel pour que je puisse tester un peu ce qui se faisait chez eux. En espérant que la vidéo vous ait plu. Sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Comme d'habitude, pas trop de folie, s'il vous plaît. Et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.